Je n'aurais jamais commencé ce vlog avec une tête pareille il y a quelques temps, mais dans le cheminement d'accepter que bah oui, des fois on est malade et qu'on a une tête complètement défoncée, je vous dis bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix et peut-être à le lire autour de mon nez bien rouge et irrité, je suis bien malade en angine rhume. Voilà, j'ai pris des antibiotiques pour un truc que j'ai eu et comme à chaque fois que je prends des antibiotiques, je tombe malade quelques jours après, mais c'est pas grave. Il fait beau aujourd'hui et ça va être un vlog très très cool. Donc je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis chez mes parents, ça peut se voir grâce à ce pyjama éponge jaune que j'ai emprunté à ma mère. Aujourd'hui est une journée particulière puisque nous allons relooker notre petite maman. Je dis notre petite maman puisqu'il y aura ma soeur qui nous rejoint en ville. Je vous en ai parlé brièvement, mais voilà, en ce moment on traverse une période familiale mouvementée et du coup maman a besoin d'être chouchoutée. Voilà, et on a décidé de la chouchouter. C'est son anniversaire il y a pas très longtemps et du coup on lui a dit qu'on irait faire une journée shopping ensemble entre filles et elle est trop contente. Donc hier elle a coupé ses cheveux tout court, ça lui va trop trop bien, elle est trop belle. Voilà, Luc de la récréation a fait un travail incroyable comme à chaque fois et franchement elle est trop belle. Vous allez voir, c'est une beauté. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa de vlogger cette journée parce que ça fait aussi des souvenirs, mine de rien, et c'est important pour nous, et parce que ça va être une journée pleine de joie et d'amour, et trop hâte de vous embarquer, voilà, avec notre petit trio infernal. Je pense qu'on va passer un bon moment, donc voilà un petit peu pour le programme. Ce soir, on va en boîte, enfin, ce n'est que le début. Vous pouvez pas savoir ce que cette journée réserve. Je pense que, en fait, cette journée va se terminer cette nuit. Là, il est 12h30, je vais me préparer, j'ai bossé toute la matinée, puisque demain il y a le live Take Care, donc je sais pas si je vous en ai parlé en vlog, si je crois, mais Take Care a ouvert il y a maintenant un peu plus d'un mois et chaque mois on propose un live avec une thématique et ce mois-ci c'est moi qui fais le live sur prendre soin de ses relations. Donc j'étais en train de finir de préparer le diapo et voilà, je vais envoyer ensuite le lien à tous nos petits takers qui sont membres du coaching. Voilà, trop hâte. Sachez que si vous rejoignez la communauté dès aujourd'hui, vous aurez accès au live dès le mois prochain, donc le live d'avril sur le sujet de l'affirmation de soi. Dans tous les cas, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez le droit aux 3 lives sur les émotions, l'affirmation de soi et également prendre soin de ses relations. Donc voilà, ça fait partie du package avec le coaching. Bref, ceci étant dit, je vais aller me refaire une tête et il faut qu'on parte. On devrait déjà être parti depuis 3 minutes. Donc il faut que je me bouge. Mais mes chaussettes à paillettes parce que c'est la fête. Non, j'ai honte de montrer comme ça à côté de toi, tellement t'es une beauté. Pourquoi? T'es trop une beauté. Est-ce que tu fais un zoom sur mes chaussettes à paillettes? C'est vrai, ça finit le look. Ah. C'est une chemise de chez Soi Paris qui est très belle. Très belle. Bon, ben, on est parti pour une journée de fly. Ouais, mais là, faut que je me bouge parce qu'on est censé déjà être parti. Ah ouais, on est censé, ouais. Ah, ce gros zoom sur moi, là, c'est pas légal. Ah. Nous voilà en voiture avec la star du jour. T'es prête? C'est moi? Ouais. T'es prête? Ouais, prête. Ça va donner, je pense que Émilie, elle attend ça depuis longtemps. Elle va te faire essayer des trucs... C'est vrai. Qui vont te faire sortir de ta zone de confort. Mm-hmm. Je suis pas obligée d'accepter tout, hein. J'ai mon mot à dire. J'ai retrouvé ma sœur. Regarde cette beauté. Oh là là, incroyable. Vraiment, c'est vraiment... Je suis vraiment la version discount de toi. Non, grave, mais wesh. Je te jure, là, vraiment, je suis dans un état. Vous avez pas idée. Non, mais parce que t'es enrhumée dans ma pharmacie. Mère est chez Intimissimi. Regarde, on voit rien. Mère est là. Elle est là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué dans la rue, je dois te dire que. Que tu sois à Montpellier comme ça, j'ai l'impression d'être en 2016. C'est vrai. Là, on va trouver une pharmacie pour moi parce que c'est plus possible. Et après, il faudra trouver un resto pour nourrir mère. Parce que mère est affamée. Regardez-moi cette star. Ouais. C'est, je dis, quelque chose d'international. Ça y est, regardez cette star avec ses lunettes, on était chez Jimmy Ferly, elles sont trop belles. Et moi aussi je m'en suis repris parce que bon, j'avais envie, voilà. J'en avais pas avec moi et j'avais mal aux yeux. Je vais appeler pour faire une photo. Moi je fais ça avec mon autre doigt. Mais non, parce que ça fait... là ça se voit justement que t'es... Ah ouais, attends, alors je fais comme ça, comme ça. C'est tout ce que t'apprends. J'apprends à lui faire des selfies. Attends, je vais enlever mon écharpe, c'est trop moche. Hi. Dirait une pince de crabe, son doigt. Non mais t'arrives pas à faire ça. Ça rappelle trop les vlogs avec Juliette quand on est mangé à ma première cantine. Là il y a vraiment un cours de selfie. Sinon tu fais ça. Qui est en regarde, cours. Moi au pire tu le tiens comme ça et t'as... Petite tartine thon aligo salade. Salade incroyable. On a changé de place parce que j'avais froid. Bon appétit les gars. En termes de couleur et tout c'est... Regardez-moi cette star. C'est très beau maman. C'est très très beau. En termes de couleur. Elle est trop super belle. Jolie. On est chez Loge numéro 9, ma petite boutique de Montpellier, et ma sœur est en train d'essayer un truc. Ma mère est un canon.
Regardez-moi ce canon, on voit rien du tout. Elle a trouvé sa combi de rêve. Minouche, elle essaye des choses, mais elle est pas convaincue. Non, mais parce qu'en fait, je déteste, j'aime bien les grandes. Les matières naturelles. À mon avis, ils t'entendent pas parce que le micro est vers moi, mais vas-y, je traduis. Ah ouais, en fait. Elle a un problème avec la taille parce qu'elle est grande. Et c'est vrai. Pour les grandes, ça, on voit toujours les chevilles, c'est embêtant. C'est une star du net. Ça, c'était très beau. Un petit ensemble trois pièces, une beauté. Et maman, elle a essayé une tenue joue. Non mais là je vais mettre une photo ici de maman qui essaye sa tenue de star. Cette journée touche pas à sa fin du tout. Du tout, ce n'est que le début. C'est que le début, en tout cas la partie shopping touche à sa fin. Il y a quelle heure avec toutes ces histoires? J'ai acheté des nouvelles boucles d'oreilles. Et oui c'est vrai, 18h45, c'est le dernier achat de la journée, les créoles d'oreilles. Ouais. Oh yeah. Total look hein. Vraiment, ouais. Franchement vous allez être choqués ce soir. Je me suis enfilée sans déconner 40 pastilles pour la gorge, ah. Des trucs aux huiles essentielles et tout, j'ai tout donné pour ce soir être un peu en forme. On va faire une sieste avant d'aller en boîte, c'est sûr. Tout qu'on a dit, on se retrouve à minuit devant la boîte, donc on a un peu de temps. Là, il y a ma sœur qui est trop belle dans son ensemble. Ouais, j'ai acheté un petit... Léa, On l'avait vu un peu dans tes mains, mais pas porté. Et là, du coup, bubble tea obligatoire. Maman va goûter pour la première fois. Est-ce que je peux montrer mes Converse trop belles? Ah oui. Non, je les montre ce soir. Oui, ce soir, on fera un haul. Ah, non, ça, parce que là, ils sont pas prêts, je crois. Ils sont pas prêts sur le modèle. Maman, elle s'est révélée, genre. En tout cas, je me suis lâchée, mais sur un truc que jamais j'aurais osé... C'est une star. Est-ce qu'on montre quand même? Non, allez, on fait un teaser. Elles sont pas extraordinaires? Elles sont trop fun. Elles sont fun. Elles sont métallisées avec l'arrière un peu croco. Ouais, il y a un croco. Les semelles et tout. Non, mais ça va devenir un... Comment on peut dire ça? Un hit achat. Le look va être trop beau. Le look. Total look. Incroyable. Total look. Trop voilà. Content. Donc là, c'est vraiment Pretty Woman. Il y a des sacs partout. On a hâte de vous montrer. Franchement, on n'avait pas fait ça depuis notre naissance. Depuis 20 ans. Toutes les trois comme ça, trop fou. On vient d'arriver à Verchon. J'adore cette chambre, elle est trop belle. Donc voilà, pour la petite nuit de maman, on s'est pris une chambre de star pour la plus belle des stars. Il y a cette salle de bain qui est incroyable avec la double douche, la petite baignoire, petite que dis-je, elle est immense. Et du coup, de l'autre côté, il y a le salon. On a été rejoints par les deux autres stars, Eve et Luna. Et regardez, on était trop bien accueillis, ils nous ont mis un petit bouquet de fleurs. J'adore, c'est adorable. Voilà, à chaque fois ils nous font des petites attentions trop mignonnes. Donc voilà, là on va se poser tranquille, se préparer. Et puis après, c'est la mala, c'est la night, yeah. Et on va manger aussi. On a mangé, c'était très très bon, on a mangé des pokeballs. J'ai mon nez, il est au bout de sa life. Je sais même pas vous expliquer, enfin vous avez vu mes ongles, c'est une catastrophe. Sauf que évidemment bah, là j'avais pas moyen d'aller me faire mes ongles. Du coup j'ai dit à Luna, je sais pas quoi faire. Comme Luna c'est un peu la queen des ongles, je lui ai dit ramène tes trucs et tout. Bref, la ponceuse n'avait pas d'embout, enfin bref. Du coup j'ai mis du vernis par dessus, franchement c'est un enfer. Si je vous montre comme ça, vous dites ah ça va. Vaut mieux pas s'approcher de près, c'est un enfer. Mais ça ferait très bien l'illusion dans la nuit. Donc il faut que je fasse l'autre main. Hein, autant vous dire la main droite, ça va être plus compliqué. Mais c'est fun. Puis là il va falloir commencer à se préparer. Faut que je vous montre. Je me mets le flash dans la tête, mais regardez cet highlighter genre. Sinon chérie, c'est choquant. Une star de la night. Non mais tu sais, on dirait un peu de conseillère en image ou quoi, tu sais, genre. Ouais. Tu vois, on a plus ça. Très beau. C'est validé. C'est validé. Vous pouvez pas savoir à quel point on est un gang, genre on est tous habillés pareil. Il est 23h43, le reste seront des images au téléphone. C'est parti, et puis bah, peut-être à tout à l'heure. Rentrée, comme vous pouvez l'entendre, je n'ai plus de voix. J'ai chanté, j'ai crié, enfin bref. Il est 3h30 du matin, on est rentré, on a pris une douche, c'est la méga douche. Et là, on est dans notre best lit, maman elle dort déjà. Et c'était une bonne journée, mère. Très bonne journée. Voilà. Excellente journée. Et trop belle journée. J'espère qu'on fera un vlog dans un an. Ouais. Et on fera genre le même. Et on ira encore plus loin, encore plus loin. On loue une boîte. Non mais franchement c'était cool. Et du coup les filles elles sont encore je crois en train de danser. Demain c'est vendredi, on bosse. J'ai dit à l'équipe bon venez on commence une heure plus tard, on finit une heure plus tard. Et tout le monde je crois était d'accord. Donc voilà, ça va être fun. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était cool de vous emmener
sur cette folle journée. On va faire dodo, bonne nuit, enfin bonne journée à vous, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et ciao ciao.